mode et tout le tralala, hein, comme je fais d'habitude d'ailleurs. Donc je verrai bien. Vive le bug de ressources. Hein. Oh, l'osmium, c'est cool ça. Du flint, du bois, c'est cool. Hop. Donc, bah ça c'est bon. La stone est en train de se faire. Ok, du team, du shiny. Ok, donc ça c'est en cours de finition. Hop, toi je m'en fous. Ouais, ça va, ils sont beaux quand même. Je confirme que les. Avant, il y avait une tige au milieu, et puis maintenant, tu peux fusionner. Après, je ne sais pas si. En fait, ça permet de fusionner l'énergie aussi dans un seul panneau, pour qu'ils se transmettent l'énergie. Bah oui, je suis con, solar. Bah oui, un gain, un gâteau. Voilà, cela. Donc, du coup, voilà. Ah, de quoi chez la 4G? Non, la 4G, elle fait pas la gueule, au contraire. Elle est même plutôt correcte. J'en pensais pas moins, mais en fait, elle est plutôt correcte, la 4G. Du coup, sachant que j'ai déjà fait un deuxième solar panel, je vais peut-être pas en faire un troisième, parce que sinon, il va commencer à falloir faire des grosses machines. Et pour l'instant, j'ai pas ce qu'il faut. Mais je voudrais bien, en fait, accélérer les choses. Quand même dans le coup, ça m'aurait moins coûté cher de faire du pulvériseur. Parce que je voudrais bien faire pulvé. Pulse, non, pulvériseur. Ouais. Ça m'aurait peut-être coûté un peu moins cher en fer. Et en Invar surtout. Après, ce qui. Je m'en fous un peu en fait. Pas ce pulvériseur, cobble pulvérisé, ça t'obtient du gravier. Le gravier pulvérisé, c'est du sable. Le sable pulvérisé, c'est de la dust. Oui, c'est ça, de la dust que tu mets dans un baril d'eau et ça fait de l'attelé. Mais pour l'instant, j'en ai pas plus besoin que ça. Non, normalement, j'en ai pas plus besoin que ça. Donc, ça devrait faire. Ah, j'ai mon. D'accord, j'ai mes viewers qui se sont cassés, mais de la gueule d'une puissance. Il y en a au moins 100 qui sont partis. Sortir, rends-les-moi, s'il te plaît. What? D'accord. Comment? Inguana config. Ah, il y a un petit qui est là. 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 Oui, il y a un petit qui est là parce qu'il y a des bubules. Il y a mon petit nouken. Miaou. Il est tout mignon. Voilà. Alors, Inguana config pour les outils. Je ne sais pas du tout combien c'est. Ah, sorti stream pas, d'accord. Ah non, les viewers reviennent. Il faut rendre les viewers IP. Oui, je suis trop d'accord. Rendez les viewers IP. Waouh, c'est quoi ce spam? D'accord, j'ai un gros spam de Twitch qui s'est mis à jour. Ok, je vais juste delete un petit peu tout ce spam. Voilà. Bon, bah voilà. Ouais, 3 messages en 5 minutes. C'est tellement la Twitch qui merde. C'est pas très grave. Du coup, parce qu'il s'est mis en invisible, le petit, c'est tout. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Un pulvériseur, c'est bien beau, mais j'ai pas de fer. Donc du coup, je reviens au même. Va falloir que j'aille un peu miner en fait. C'est malheureux de dire ça, mais il va falloir que j'aille miner quand même. Parce que je peux pas faire ça. Pour générer un peu de minerai, il va falloir que je passe par un gras. Non, la 4G. C'est bon la 4G, t'es tranquille? C'est bon, tu te casses plus la gueule? Ça a l'air. Ouais, je stream à partir d'OBS. Ah, c'est la première fois que tu me vois en live, mais c'est pas la première fois que je live. Oh, t'as vu le jeu de mots?
C'est trop cool. Non, la 4G, je se casse la gueule un peu des fois. Est-ce que je vais avoir l'apparition du mob? Non, on dirait pas. Évidemment, hein, quand il y a du gravier. Quand tu mines quelque part, t'as toujours du gravier. C'est fou. Ouais, la 4G, elle fait la gueule. Et bientôt, ça sera l'histoire ancienne, la 4G. Bah, ancienne, non. Je la garderai, mais disons que j'aurai une fibre. C'est encore autre chose. T'as vivement ça, en tout cas. Allez, descendons dans les profondeurs de l'univers. Allez, donne-moi du charbon, que j'XP ma pioche. Voilà. Putain, j'ai toujours de la terre en fait. Hop, dégage. Putain, mais arrêtez avec les mobs. Voilà. Alors, je regarde un peu le chat. Ouais, bah je veux bien que tu me files ta fibre, hein. Moi ça me dérange pas. Hein. Personnellement, si tu pourrais me la mettre, la fibre, ça me dérange absolument pas, tu peux y aller. Hein. Bon, ça dépend après ce que c'est hein, comme fibre. Mais même du 30 mégas constant en comment? En vitesse d'upload, je dis pas non, hein, personnellement. Donc voilà. Non, je mets pas ma cam. Parce que ça bouffe du débit pour rien. Ah, du coup, pas. Non, je veux la tienne, enfin, ta fibre à toi. Ou sinon, une belle fibre a quand même à 900, 900 downloads de upload. Hein. Moi, je dis pas non, perso. Ah, de l'uranium, tiens. Un peu de copper. Bah, le copper, il y en a pas mal, quoi. C'est ça que j'en trouve trop. Ouais, lui, il me dit XD tout simplement pour avoir une belle fibre. Salut. Chalopard. Hop. Bon, je suis sûr qu'on va rien trouver encore. Comme d'hab, hein, d'ailleurs. Si, du copper. Bah ouais, on en trouve. Hop. Ouais, Dem, je suis toujours en couple, oui. Et pas prêt de s'arrêter. Parce que je suis bien avec. Bon, copper, j'en ai marre du copper par contre. Alors attends, hop. Comme j'ai trois minerais en trop, voilà. Évidemment, toujours de la dirt quand il faut pas. Voilà. Je suis sûr que je vais atterrir dans la caverne du coup. Alors, du tin, ouais, c'est plutôt pas mal. Non, je vais pas mettre ma cam. Mon chez moi près de la ferme. What the fuck? J'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Ah, mineshaft! Oh bah tiens. Alors ça c'est de l'iron de Rycroft. D'ailleurs que je ne connais pas beaucoup d'ailleurs en parlant de ça. Non, je connais pas beaucoup l'iron là. Ah d'accord, il fait des nuggets le machin. Ok. Bon bah c'est cool. Salut! Cédric! En fait, c'est un bout de. Bon, yellowite. Ouais, la yellowite, je vais quand même peut-être la prendre. Ah, en plus, il y a du fer juste au-dessus. Je vais quand même la prendre, ça peut être intéressant. Voilà. Bon, 5 fer de plus, on va pas chier loin. Hein.
Ça, par contre, ça, je prends. Ça fait 62 de torches en plus. Bon, bah. J'aurais pas très loin avec tout ce qu'il y a. Hop. On a du lead. Et puis, on a trouvé la. La fameuse. Le fameux mineshaft, en fait. Hello! Oh, de l'osmium, ça c'est cool. Alors, évidemment, copper, hein, parce qu'on n'en a pas assez. Bizarrement, ça me ressemble à quelque chose ici. Bonjour! Par contre, c'est chiant que ça, on peut pas la miner. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Oui, salut. Oh putain, elle m'a foutu une de ces chiens. Heureusement qu'elle était arrêtée, hein. Hop, récupérer ce qu'ils font. Récupérons ce qu'il faut. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ma petite Letty. J'avais dit que je venais faire coucou, alors je viens. Bah oui. En plus, moi, le live, il chargeait plus. Twitch, enfin, Mako n'aime pas Twitch, moi. J'ai du mal à regarder ton live, c'est chiant. Oh merde. Ouais. C'est casse-bonbon. Ouais, bah ouais, je confirme. Bon, après, je vois que tu viens de trouver un mineshaft. J'ai refresh, ça marche un peu, là. Bon, bah ça va. Ouais, ça Quand passe. la 4G fait pas la gueule. T'as des soucis avec la 4G, ouais? Bah disons que oui, il n'y a qu'une seule antenne sur 200 mètres à l'horizon, Ah, d'accord. donc il y a un peu tout le monde dessus. Il Bon, au fait moins qu'on est t'en le as une, soir. toi. Ouais, moi j'en ai une. Pourquoi t'en as pas C'est toi? pas ça. Pas chez mon fournisseur. Ah merde. Et en plus, j'y ai pas accès. Donc, comme ça, voilà. Ah bah Quand bien ça. même je voudrais chez un autre, pas trop D'accord. les moyens. Ah, effectivement. Ah bah oui, c'est vrai qu'en Belgique. Ah bah non, t'es pas en Belgique toi. Non, toujours pas. Hein. Oh. Non, je serais en Belgique, ce serait la fête, la connexion. Bah ouais, tu viendrais, tu squatterais la connexion de monsieur. Voilà. Petite fibre au calme. Ouais, pensera à moi, hein. Ouais. Oh, un coffre. Un coffre, un Moi, je pense coffre. que j'en ai un aussi, mineshaft. Faudrait que j'aille explorer un peu là dans un endroit. J'ai commencé à miner. Il y a un petit coin, à mon avis. Si je continue, il y a moyen. Bah, des mineshafts, en fait, j'en vois pas mal de droite et gauche. Alors, oui, c'est J'en ai pas possible. encore trouvé moi, mais je D'accord. pense qu'il y en a un là où je te dis, ouais, quasi sûr. Faut que je finisse d'explo, mais je suis quasi sûre d'en avoir un là-bas. On n'entend pas trop les clics. C'est pas grave, les gens, je raconte rien de fou. Et puis de toute façon, le son TS, moi, j'arrive pas à le régler non plus. Quand je suis en live et qu'il y a quelqu'un avec moi sur TS, j'ai beau mettre le son à fond, les gens l'entendent pas. Je comprends pas. Ouais, c'est. Ouais, je suis obligée de monter le son individuel de la personne limite pour que les gens l'entendent sur le live. C'est assez chiant. Ouais, et puis après, ça te pète les oreilles toi-même. Oui, bah à Ah. la limite, si je suis prête à souffrir des oreilles si les gens l'entendent, la personne. Mais au final, ouais, il s'avère qu'il faut vraiment changer au final le son. Le son perso de chaque personne, sinon ça. On entend que dalle. Ouais, putain, il est gros le mineshaft. Il y a beaucoup de minerais surtout. Là, c'est cool. Mais attends, je vais changer ton son. Comme Non, mais on s'en Véronique. fout. On s'en fout, les gens. C'est l'épée qu'il faut écouter. Ouais, 12 voix d'épée. 12 et belles voix. Bah oui. La douce et belle voix d'épée, tout à fait. Bah ouais. Sinon, il est bon le café? Ça va. Ça Ce... s'entend quand J'ai entendu la tasse, j'ai dit ah, café est revenu. Faut que je. Il est bien hein, ce micro, il a un bon son, hein, mais par contre t'entends les mouches péter. Donc je vais mieux que quand je bois. Oh, mais c'est normal. Ah, bah lui c'est monsieur micro pas bien. Hein, monsieur Arafa. Là, je crois qu'il essaie de communiquer. Un morse, bien sûr, hein. Sinon c'est pas drôle. Oui. Mais non, c'est cool.
User joined your channel. Voilà, est-ce qu'on m'entend bien? Ouais, bah oui, malheureusement, oui. De rien, gros bisous. La méforcée, la coucou. Comment tu vas, Lucie? Ça va, nickel, moi. Hop. Putain, c'est fou, j'arrive pas à trouver un seul fer. Bah si, j'en ai, mais j'en ai que 16. Si t'as besoin de ressources, tu peux te servir à ma maison, hein, si tu veux. Je suis un peu loin de tout le monde. Bah, je suis pas très loin du spawn, hein, donc en soi, si tu vas au spawn, c'est vraiment pas loin du tout. Hein. Je suis en moins 800, plus 300, donc c'est tout près. Hein. Ah ouais. À Pat, t'en as pour une minute. Ouais, je suis à moins 3000. Tant que j'ai pas de portail, faudrait que je l'active mon portail. Je vais regarder aussi pour faire ça. Ouais. Putain, y a un squelette là-bas. Mais c'est pas grave. Oui, t'inquiète pas, l'osmium, je le prends. Je sais que c'est pas donné, mais je le prends quand même. Il est là. Hop. Non, mais c'est fou, le fer, comme il descend super vite. Moi, ça a été mon gros problème quand j'ai voulu tout de suite me lancer à tester des trucs. En fait, je manquais de ressources tout le temps, tout le temps. Donc, du coup, grosse session de minage. Et avec la grosse session de minage, on a fait un petit digital miner en live. C'était cool. C'est pas con de faire un digital, ouais. C'est pour ça que je te dis que niveau ressources, si tu veux te servir, tu peux. Parce que moi, il tourne, hein, donc j'ai plus trop de problèmes, en fait. Alors, en fait, j'ai l'impression de prendre tellement de retard. En fait, j'ai pas le temps. C'est fou, hein, mais c'est fou quand même. Mais ouais. Non, il faudrait que je m'en fasse, hein, c'est pas con. Ça m'éviterait que j'aille miner comme un tardos au fin fond des bois. Et moi, pour le faire, déjà, il me manquait des ressources. C'est pour ça qu'il a fallu quand même la grosse session de minage pour ramener tout ce qu'il fallait. Et là, maintenant, c'est bon, je suis tranquille. Plus besoin d'aller miner. Ouais, effectivement. Silver, non, je m'en... Tamponne du silver, moi. Je suis en train de chercher un autre style de matériau, mais je le trouve pas. Donc, donc. Puis le mineshaft, il est pas petit non plus, donc du coup, encore. Oui, c'est une bonne zone. Je vois sur la boussole. Vache. Ah, du ca... ah non, calcium. Cadmium. Calcium, c'est pour fixer. C'est pour fixer quoi déjà? Je m'en rappelle plus. Alors là, c'est pas moi qui vais t'aider. Le calcium, c'est fixer les vitamines sur les os. Voilà, très bien. Ouf. Non, c'est les vitamines qui fixent le calcium sur les os. Ah oui, merde, bon, c'est pas mieux. Je joue pas sur Manchem. Hein. Ouais, c'est vrai que Manchem, ça me manque un peu d'ailleurs. Je me replonge un petit coup dedans. Ah. What the f... Putain, j'ai eu des particules de pop. À partir d'une minerai de fer, je sais pas ce que c'est. C'est bizarre. Et bon, du coup, est-ce que la qualité sur ce micro est meilleure quand même? Bah, il y a un léger sifflement derrière, mais ça va. Ça allait avant, et là, ouais, t'as un sifflement, un bruit de fond. Ça, c'est parce que j'ai mal monté un ventilo sur ma nouvelle config, en fait. Bah, bien. Ouais. Alors, j'ai appris un truc. Le ventirad prend de la place. Et du coup, ta tour, elle est trop petite. C'est un peu près. J'ai dû virer le cache, en fait, pour installer le ventirad. Donc, il va falloir un nouveau ventirad un peu plus fin. D'accord. Ouais, bah, c'est ce que je disais, en fait. T'as pas assez de place pour tout fixer. Ah, Ast, enfin quelque chose un petit peu plus rapide, c'est cool. Bon, on a pas mal de fer là, c'est plutôt pas mal. Hop. Voilà. Je ne sais pas si j'ai mis le mode dance or, ça m'étonnerait que je l'ai mis moi. Je sais pas, il y a quand même des coins où il y a des bons gros filons et tout, je me demande, hein. Non, parce que Densor, normalement, c'est le minerai qui est condensé en x3. Ah, je croyais qu'il y avait aussi le fait que les filons étaient plus conséquents, moi, avec le Densor.
Non, je pense pas. Je pense pas qu'il affecte énormément la génération. D'accord. Bah, tu vois, ça, je savais pas. Je pensais que c'était aussi un des trucs. Parce que moi, je suis tombée sur des sacrés, sacrés filons quand je me suis promenée. Bon, pas de diable, ça. Hein. J'en ai trouvé que deux et ils étaient assez minables. Bah, tu vois, tu trouveras plus de, par exemple, d'iridium que de diams. Ça, j'en Oui. suis. Là, j'étais Oui. même étonné d'ailleurs. Je vois que Okay. même avec le digital miner, le diams, c'est rare. Ouais, ça a été remplacé par Ouais. l'iridium, on dirait. C'est fou, mais. Shiny aussi. Enfin, pas mal de Shiny et de Ferrous aussi, j'ai remarqué sur la génération. Ouais. Alors après, est-ce que c'est AT Launcher qui. AT Launcher, oui, bah oui. ATG qui fait ça? Bonne question. Tin Silver, machin, ouais, bah c'est bien beau, mais j'en ai trop. Après. Et moi, j'ai même pas eu l'achievement quand j'ai trouvé mon premier diams, j'étais triste. Ah, après. Ah, tu l'as trouvé ex nihilo, Ah oui, c'est vrai en plus. Ouais, mais alors, je parlais de miner mon premier diams, ouais, c'est vrai. T'as raison, j'en avais chopé avec le tamis. Effectivement. qu'est-ce que t'as tamisé? Hein? Qu'est-ce que t'as tamisé? Ouais. Et encore, tu sais quoi, quand je rechoppe du gravier, je continue à le foutre dedans vu que j'ai la cive auto maintenant. Ouais. Ça Non mais. m'amuse. Ouais, mais c'est vrai. En fait, pour tout ce qui est les redstone et tout ça, ça vaut le coup d'avoir un tamis automatique, hein. Bah, c'est pas mal, ça donne quand même quelques trucs, puis t'as rien à faire quoi. Tu fous Ouais. ton truc dans le. Et tu reviens après, c'est réglé. Hein. Bah, c'est pour ça que j'ai besoin de faire, moi perso, c'est pour faire en fait tout le style de Agrarian, mais version tamis. Donc tout se fait auto et t'as rien à faire. D'accord. C'est pour ça que j'ai besoin de ça. Donc Ouais. ça me permet de générer de la. Comment. De la. Des minerais. Alors ça va de tout, hein, de A à Z. Sans pourrir trop le décor. C'est pour ça que j'ai rajouté ces modes-là. Qui permet également de générer la clé à partir d'eau et de dust. Ouais, j'en ai fait ça avec les. Et ça évite de J'en avais pourrir le fait. terrain. Surtout les marais. Ouais. C'est surtout pour ça que je l'ai mis. Bon, avec tout le fer que j'ai, j'en ai un stack et un stack et 8. Ça devrait faire pas mal. Après, maintenant il faut. Ah, tiens, un coffre. Oh, ça c'est intéressant. Du thomium, c'est intéressant. Et des wooden rails, ça c'est cool. Ça c'est cool, tiens. Hop. Du Certus. Ça, j'en ai déjà, mais je préfère en garder pour faire Applied. De l'osmium, hein, parce qu'il y en a plein. Ah, d'accord, je suis revenu ici. Ok. Non, mais j'aime bien dans le chat. C'est quoi le but du jeu? Le but de Minecraft? Survivre. Ouais, c'est déjà pas mal de survie. Surtout sur Permacraft, hein. Je confirme. Hop, osmium. Bon, la mine est vachement grande, on dirait plusieurs crevasses les unes sur les autres en fait. Ah, du ferrouse, j'en ai besoin. Putain, il y a tellement de minerais ici en fait. Blospium, t'en trouves partout aussi. Hop. Alors moi le pire c'est le copper, j'en ai à chier contre les murs, c'est abusé. C'est vrai qu'il y en a tellement. Alors mais c'est bientôt je vais avoir un coffre en diamants planté. Non mais abusé le copper. Quand j'en vois maintenant je fais oh, encore du copper. Bah, c'est à peu près ça d'ailleurs. Ouais. Bah, ça génère déjà sur le mode principal qui est quand même Rotary. Tu rajoutes ça thermal et puis c'est bon. Hein. En fait, t'as ta collection de copper. Ah ouais, non, mais bah là c'est bon, collection bien entamée, hein. Nickel. Donc t'es plutôt tranquille. Hop, hop. Bon, je vais peut-être en rentrer un peu à la base, faire ce qu'il faut parce que. On va bien commencer un peu ma génération de minerais. Aluminium, on s'en tape un peu. Coucou Dom. Coucou Dan, ouais, je viens juste de voir le chat aussi. Oh, de l'uranium. Même si ça va peut-être pas trop me servir, mais je préfère en faire. Bon, hop, rentrons. J'arrive à regarder ton live, ça y est, j'ai plus de problème. C'est cool. Putain, c'est où la sortie? Je suis perdu. Ça doit être par là. Ou pas. Si, par là. Ah oui, par là.
Donc ça, c'était les araignées. Et c'est par là. Voilà. Ouais, ça va, 172 personnes. Bah oui, c'est clair, c'est bien. Ça, j'aime bien. Bah oui, tu m'étonnes. Webden tout à l'heure, je pense. Bah, je voulais vers 22h, mais si on a le maître en live, je vais laisser le maître tranquille en live. Je voulais vous laisser admirer quelqu'un qui gère. Et Bah, puis, si tu j'enferai une veux, cuillère à dodo. si tu veux, à partir de 23h, tu peux y aller, hein. Bah voilà, donc je n'en serai pas à 22, j'en serai à 23 le live, comme ça je prendrai le relais. C'est pour ceux qui veulent du LTP. Voilà. Bon, après, moi, c'est stream de la noobitude et de la découverte. Hein. C'est attention. Hein. Je confirme dans tout ça. Eh, ça va, je me débrouille hein, quand même. Bah ouais. Ouais, Mais j'aime je bien. découvre. Bon, de toute Sinon, façon, mais c'est le je, plaisir. elle dit, mais j'aime bien. Mais Betty, elle dit non, mais je découvre, sachant que Shorty a compté sur elle quand même. Hein. Après, je dis ça, je dis rien. Hein. C'est vrai, et tu sais que je lui ai fait la réflexion, je me suis retrouvée en vocal après le live où j'ai fait tout ça avec vous samedi soir, je crois. Et il est venu plein de fois chez moi utiliser les machines. Je lui dis, mais attends, en fait, est-ce que là, c'est réellement ce que je crois qui est en train de se passer? Le grand Shorty pro du modé vient se servir de mes machines. Ça veut dire que j'ai pas fait que de la merde, tu vois. Ah J'ai ouais. trouvé ça plutôt cool. Donc ça veut dire que je m'en sors pas si mal que ça. Effectivement. Et ça, Non, mais c'est très oui. bien. Tac. 7. C'est tellement le bordel dans la plane, dans les coffres. Je vais l'annoncer Twitter du coup, vu que j'avais dit vers 22. Je vais mettre vers 23 et je vais envoyer tout le monde sur ton live s'il y en a qui avaient V qui attendaient encore. Bon, ça c'est cool. Merci. Hop. Bon, le fer. Du coup, je vais le foutre là-dedans. Pour que ça aille mieux, je vais faire un coffre qui permet de faire une dérogation jusque-là. Tac. Ah, oh, qu'est-ce que c'est bien la table de craft dans son inventaire. Mais est-ce que tu peux juste me montrer ta setup en fait ou tu l'as faite en live déjà? Ou en vidéo? Non, la vidéo n'est pas encore sortie, il me Non, semble. la vidéo elle sortira demain ou après-demain. Plus demain d'ailleurs, pour rendre ça. Donc on verra ta setup demain en fait. Ouais. Du coup, j'ai besoin de ça et ça. Voilà. Ça, tout se fait en semi-auto. Ah merde, j'ai plus de colle. Ah si, j'ai du colle. Voilà, comme ça génère. Du coup, bah ça ne que ça ne peut que se faire cuire. Ouais, c'est ça. Donc du coup, je vais le foutre dans le four de base. J'ai besoin de colle. Ah oui, c'est ça. L'obsidienne est au-dessus et colle est en dessous. Voilà. Voilà, comme ça se fait cuire. Sinon, pour voir la table de craft 3x3 dans l'inventaire, tu sais, c'est quel mode? Parce que ça revient dans plusieurs chats en fait et personne ne sait répondre. Je l'ai mis, je l'ai mis, je l'ai mis. Ah. Très bonne question. Parce que je l'ai mis en fait et puis j'ai pas retenu le mode. J'écoutais plus, c'est le truc qui affiche l'armure que vous parlez? Non, ça c'est armor statut. Pas. Non, Ah, la table ça de affiche craft. l'armure. On peut le décaler ça parce que moi il est Oui. en plein milieu de mon chat, ça me. Oui, tu peux Tu m'as le. dit c'est armor quoi? Armor statut. Ok, je vais regarder ça du coup. Dans les configs, t'as middle left, tu mets little right ou l'inverse. Et puis voilà, tu peux le mettre n'importe où dans l'écran. En fait, t'as les explications, juste la phrase au-dessus, par rapport au comment, coordonnées. Ok, je vais regarder ça tout de suite, ouais, parce que ça me cassait les pieds, ça. Ouais, je confirme. Bah, en plein milieu du chat, c'est pas hyper top. Il confirme pas quoi. Non, bah je ne sais plus quel mode fait ça. Façon, hein, il y a la Pour les liste. trucs? Non, c'est pas inventory. C'est un mode au-dessus. Ok. Garden stuff. Ah oui, il y avait garden stuff aussi que je voudrais faire. Il y a tellement de modes que je voudrais rajouter en fait. Bah, pas rajouter, mais le faire. Ah, inventory crafting grill mode. Ok. Voilà.
Tiens, je te l'envoie sur TS. Là. Hop, j'ai envoyé aussi sur le chat, c'est le mode. Là, rien. Donc, ce que j'ai mis sur le chat du live, c'est le mode qui permet d'avoir la table de craft implémentée aux joueurs. Voilà. Comme ça, ils vont être contents. Bah ouais, ça évite de trimballer tout le temps une table de craft sur soi, ce genre de choses. Ça fait un inventaire de plus. Ou de moins, en fonction de ce que tu veux. Voilà. Il y avait garden stuff en fait. Garden. Est-ce qu'il y a ce mode garden soil? Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Il y a un mode que je voulais bien, mais je sais plus s'il est là. Je pense pas. Tant pis. Du coup, une fois qu'on a fait tout ça. C'est en train de se faire, donc il y a du, il y a tout ça. Alors du coup, je voudrais faire, ouais, c'est ça, une petite génération de d'arbres quand même, parce que j'en ai besoin. J'ai besoin d'un planteur et d'un harvester. Non, pas la version Rotary. De l'Invar, forcément, du plastique, j'en ai pas. Il va falloir que j'aille à la recherche de l'arbre perdu. Ça va être cool. Allons à la recherche de l'arbre perdu. Oui. En plus, il y a des abeilles un peu partout. Se spécialise un peu dans tout. Oula. En fait, je devrais peut-être pas trop m'approcher d'eux. Ça, je vais prendre cher. Je les contourne. Salut les mecs, ça boum. Ils sont magnifiques. De loin, mais pas de près. Hop, je me casse. Alors, la rubber sapling, tiens, il n'y en a pas un là. Non, c'est du oak. Là-bas, c'est du greatwood. À la recherche de l'arbre. À la recherche de l'arbre. C'est du hawk? Ah ouais. Ah, peut-être là-bas. Il y a un industrial, mais c'est pas lui que je veux spécialement. Peut-être que j'arriverai à en trouver un. Ça c'est quoi? Acacia. Rubber d'industrial. Ah, j'ai des frises ici. T'as pas eu des fois des micro-freezes de, pendant quelques secondes? Un l'été. Excuse-moi, je m'étais mieux parce qu'il y a du bruit derrière. Ah d'accord. Des micro-freezes, là tout de suite? Non, des micro-freezes, des fois quand t'es dans un environnement, des fois t'as des micro-freezes. Si, j'en ai, ouais, ça m'arrive. Je sais pas d'où est-ce que ça vient. Aucune idée non plus, mais ouais, si, c'est vrai que j'en ai de temps en temps. Ça, je vais le prendre, mais ça me sert trop à rien, ça. Ça me sert absolument à rien. C'est pas ce rubber-là que je veux. T'es où, mon petit rubber? Évidemment, il me fallait ce rubber à ce moment-là. Sinon, c'est pas drôle. Ouais, bah ceux qui vont se coucher, hein, allez-y. Hein. Ouais, une épée dans une jungle, c'est pas mal. Mais ouais, je voudrais bien. Oh, un beau trou. Une arme de rubber, ça m'arrangerait. Coucou, ceux qui arrivent.
Oui, j'ai mis Node Tracker comme mode. Ça permet justement de traquer les nodes et de savoir où est-ce que tu es passé pour avoir les nodes. Oui. Oui. Heureusement d'ailleurs. Encore un totem là-bas. J'arrive pas à trouver ce qu'il faut. Ah. Un petit bonhomme invisible est passé devant moi. Salut la node. Putain, ça m'a foutu une chie. Bon, y a rien. Salut les poules. Alors, un Greatwood là-bas. Faudrait que je me fasse une Lumber Axe pour un moment. C'est important. Putain, j'arrive pas à trouver. Je sens que je vais pas trouver mon bois. Et pourtant, j'en ai besoin de ce bois-là. C'est quoi le bois que tu cherches? Du Rubberwood. Je crois pas que j'en ai. Je vais regarder quand même au cas où. Oh, un village. Peut-être qu'ils en ont un. Ça, c'en est pas. Nope, j'en ai pas. Tant pis. Ouais, il est pas facile à trouver, c'est bon. Ouais, mais vu que moi je suis Madame Économie, je garde tout. Je me suis dit quelquefois que j'en aurais chopé sans faire gaffe. Je vérifie. Ouais. On sait jamais. Bonjour les PNJ, je fais que de passer, hein. Tu es cher, tu es pas trop cher. Ah oui, très bien. Ah bah salut, Shorty. Ah, il est gentil. Il est gentil. Bisous, bisous. Bisous. Il est gentil, lui. Ah bah, c'est cool. Merci, mon petit Shorty. Ah, ça, c'est cool. T'en as filé, c'est bon? Ouais. T'as des pouces? Ouais. Merde. Putain, le PNJ, il est patient Ouf! devant moi. Pas besoin de passer le message, j'ai lu le chat. Non, mais me pique pas que tout dans les coffres non plus. Les rails HS, je vais les prendre. Voilà. C'est cool les rails. SLT. Ok, j'aurais pas dû cliquer. Bon bah. Bon bah voilà. Oups. Qu'est-ce qui se passe là? Ah bah j'ai appuyé sur un item qu'il faut pas. Bah ouais, mais moi je suis encore là, je vous vois tous déco, mais moi je suis en jeu. Ah d'accord, Shorty a crash aussi, très bien. Oui, je veux, mais oui, et Tans aussi. En fait, je vous vois tous déco, mais moi je suis encore là. Alors, en fait, je crois que c'est moi qui ai enclenché le bug général, donc du coup tout le monde a crash autour de moi. Bravo. Bravo, je. Bon bah. Bon bah ça recharge. C'est pas de ma faute, hein. La 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 la. Ah d'accord, Shorty a aussi cliqué sur le bar. Bah, pas bien, hein, pas bien. Bon, le temps que ça change, je vais me chercher un café. Bon café alors. Le live accroche. Non, Minecraft, il a fait je sais pas trop quoi avec un barrel, d'après ce que j'ai compris, parce que je suivais pas, j'étais en train de faire un truc de mon côté. Et ça a fait crash tout le monde quasiment. J'ai vu tout le monde disparaître sur le serveur. Pourquoi je m'entends? Quelle horreur! Parce qu'en fait, TP. Attends, on passe dans un autre channel.
User left your channel. User left your channel. J'arrive. Non, je vais pas chercher un café chez McDo, non. Voilà. Du coup, hop, connectons-nous. Comment j'ai fait le modpack? Bah, tout simplement en compilant des mods et en les mettant à jour. Tout simplement. T'as un sujet sur Minecraft.fr ou point, ouais, .fr. Comment? Putain, pourquoi les shaders se remettent tout le temps, quoi? Oui. Heureux. Donc je leur dis. D'accord. Je leur disais comment compiler un modpack tout simplement en ayant un. Oh, une forge! Oh, si! Alléluia! Merci les PNJ! J'en avais besoin d'une. Bah, de toute façon, pour le compiler, toi tu passes par le technique. Par copy.com pour pouvoir le publier, ouais. Mais sinon, pour la construction du modpack, il y a un post sur minecraft.fr comment créer son modpack. Non, mais d'ailleurs, souvent minecraft.fr, c'est pas S qui le tient, non? Soit j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Moi, c'est à partir de là que je me suis rappelé comment recréer un modpack. Voilà. Oh, une belle forge. J'ai bien fait de venir, là, finalement. Ça m'a permis de faire des choses. Gros bug de chunk là-bas. Hein, salut le Penji, ça boom. Ouais, ça a l'air de boomer. Toi, tu vends quoi? Oh, des belles choses. Toi, de la merde. Merci pour les bouquins. Évidemment, dans chaque village, vous prenez des bouquins. C'est tout à fait normal. Mais
C'est assez intéressant. Bah, de toute façon, tu l'as dit en début de live, mais t'as migré le serve, et c'est vrai qu'il n'y a absolument aucune perte. Comme quoi, on peut migrer un serve sans aucune perte. Ouais. Et on est plutôt tranquille. Ouais. Ah, il fallait le faire, quoi. Il fallait le faire. Oui, il fallait le faire, parce que dès qu'il y a un DDoS, poum, c'est, on s'en prend tout, on s'en prend plein la tronche. Voilà, et ouais. Puis et bon. Puis, sur le même routeur, hein. Ouais, c'est pas non plus la meilleure solution. Ouais. C'est clair. Et puis de toute façon, il faut dire. De toute façon, là au prochain des DDoS, je pense que tu m'autoriseras à utiliser la machine avant pour DDoS la personne. Hein, parce oui, que là, oui. J'ai tous les logs, donc histoire de prévenir les gens. Oui, là, il n'y a aucun problème, tu pourras t'amuser à DDoS le connard qui nous le ferait. Surtout qu'on a une machine pour ça. Voilà. Donc, c'est-à-dire que je pense que je vais m'accaparer la machine pour DDoS les connards, hein. Faut le dire. Ouais. Enfin, il faut faire gaffe. Non, mais... Après, on va dire que c'est pas la commu de Shorty, c'est pas la tienne qui pose le plus de problèmes, quoi. C'est... Non. Après, les gamins qui demandent et tout ça. Et sinon, la question que tout le monde demande. Ah, la rolling machine, ouais. Mais la question que tout le monde demande, quand est-ce que tu vas faire ta liste de modes? Elle est faite, hein, pour info. Elle est faite? Ah ouais, la liste de modes, elle est faite. Tu l'as postée? Ouais. What? Non, je l'ai pas vu, ça. On l'a filé en live hier soir. Si, si, c'est good. Ah, oui. La petite liste. Et merci les crash clients, en fait, c'est très bien pour récupérer tous les mods dans un modpack. C'est vrai. T'as juste après à remplacer ce qu'il faut et puis hop, c'est bon, t'es content. Merci pour les knowledge, toi. Hop. Bon, alors, du coup, Rice, c'est bien beau, mais on s'en tape un peu le coquillage. Oui. T'as le PNJ qui tourne en rond comme un crétin. Et je pourrais vraiment attendre pendant des heures comme ça. C'est cool. Oui. Bon, allez, va te coucher. Voilà. Mais du coup, si t'as une copie du passbin, une connerie comme ça, de la liste, je le récupérerai bien, en fait. Ouais, bah je te prends ça. Ouais. Passbin... Mode LTP, merci la recherche Google, ça marche super bien. Voilà, je t'avais posté sur Twitter. TS. Bon, merci. Et sur Twitter aussi, accessoirement. Sur TS aussi en live, j'ai vu ça. Ouais. Oh, tiens, une petite serre. À récupérer ce qu'il faut et puis on rebarre chez nous. Alors, chopper plante, non. J'ai pas envie d'avoir les potions de pneumaticraft. Whisport, c'est le truc de Tomcraft, je crois, ça. Wishroom, je crois que c'est ça. Tainted Rot. Ouais, si, je vais le garder, ça. C'est intéressant, les petits sports, c'est quand même bien. Putain, ça me dit tellement de choses. Ça, je vais le garder aussi, c'est bien important. Non. Des slimes, surtout pas. Surtout pas une plante à slime dans un chunk. C'est destruction du monde, ça. Hop, allons chez le voisin. Hello. Du coffee. Ah, cool, des coffee beans. Ça, c'est cool. Les strawberries, ouais, c'est cool. Bon, on fera un petit peu d'agricraft plus tard. Bon, on rentre à la baraque. J'ai un kilomètre à faire. Sinon, ça dit quoi sur le chat? Parce que je le lis pas forcément, donc... Les gens, ils te remercient en gros pour le passe-bille. Voilà. Ok, bah... Grand plaisir, hein. Ça m'a pris 2 minutes pour faire le passe-bille. C'est tellement ça en plus.
Ouais, t'inquiète pas, ça va faire de la mauvaise herbe, mais comme c'est déchargé, on s'en tape un peu. Puis c'est pas mon village après, donc. Pas très grave. Je vais juste récupérer le. L'iron là. Putain, ça prend des plombs pour casser ça alors que c'est une pelle, quoi. Ouais. T'es Oui. sur 4G chez Bouygues. Bouygues? Ouais. Ah, heureusement que je la paye pas d'ailleurs cette 4G parce que sinon je m'en tirais pour plus de 500 euros par mois. La la la. Heureusement d'ailleurs. Non, bah je retourne pas sur une vache. Hein. Je suis en train de faire baver, je suis en train de faire baver Ethan. Ah bon? Pourquoi? Rien, je lui ai montré en fait, mais la classe G, la classe C 220 AMG. Ah oui. Ouais, bah t'inquiète pas, si tu le fais baver, tu me fais baver aussi. Ah là là. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Et tout ça bave sur moi. Tant mieux, j'ai besoin de lubrifiant. Ah, t'es dégueulasse. C'est après 22 h, hein. Je peux commencer à être dégueulasse. Si, oui, ouais, mais non. Attends, J'ai une galette, pardon. je vais récupérer ça parce que ça peut faire de la terre, du compost. Ça, je récupère. Le Deltaplane parce que je l'ai pas utilisé, c'est pas con d'ailleurs. Faudrait que je m'en fasse un. C'est important. Comme ça, tu te mets en haut et oui. Ou alors tu peux faire un simple jetpack aussi avec ce que t'as et un delta plane, ça marcherait bien. Ouais, mais non. Faire la mûre de Quantum, toi. Ça ira plus vite. Avec tout l'iridium qu'il y a, c'est possible de le faire du coup. Mais c'est fou, l'iridium, comme il y en a beaucoup. Je pensais pas autant. Bah je l'avais dit en plus. Je t'avais dit en plus que je trouverais pas mal d'iridium. Ouais. Mais c'est fou quand même. Puis Rotary Craft qui l'implémente, hein, parce que IC2, t'en aurais un tous les 32 chunks. Hein. Au Et pire, encore. ouais, il y a encore. Au pire, te la génère après. Hein. J'ai pas désactivé, j'ai pas nerfé. Hein. Non, la 4G, c'est pas le moment de se casser la gueule. Oui, LED, il est dégoûté avec 4G, ça vaut de la DSL. Il faudrait le châtier. Je peux te tuer. Bah attends, je vais le kick, hein. Ça marche pas aussi. Putain. Ah, si c'est comme la DSL, t'as intérêt d'avoir un très bon ADSL. Et merci pour ton tips, Odion. Je sais pas si ça s'est vu sur le live, mais c'est pas grave. Ça fait plaisir. Bah, si t'es 144p, hein, c'est ta connexion, hein, c'est pas la mienne. Mais ouais. Non, mais moi, après, sur ma co, j'ai une super co. Mais j'ai énormément de drop. Ça, c'est le gros souci à Paris quand t'as la fibre. J'ai entre 25 et 30% de drop sur ma co. C'est assez horrible. Ouais, effectivement. Oula. Fallait aller dans... Comment? Dans le pétrole et je serai dans la merde. Seul pétrole, vous noyez. Vous pouvez pas remonter dans le pétrole. Imagine, t'aurais mis pour une pâte. Tu vas dans l'eau, tu meurs. Ouais. C'est con, hein. Surtout qu'il y a un océan à traverser pour nous rejoindre. Dans le bateau qui casse, tu crèves. Ouais. Attends. Ah putain, mais quelle tarde! Je suis allé à... Ah putain, quel boulet. Mais pourquoi t'as pas mis de waypoint en fait? Ah si, j'en ai mis un, mais je suis parti chez Redix. Mmh. Là, 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 là. Je refais le demi-tour de 230 blocs. Oh, quel boulet.
Bon bah tant pis. Hein. Mais il faudrait essayer de relancer mais la deal map sinon. Ouais, la deal map, je comptais quand même la relancer un moment. Pas aujourd'hui parce qu'il fallait que je pré-génère le truc, mais. Ouais, il va falloir que je modifie en plus les configs pour l'IP. Parce que sinon, elle va se lancer sur l'autre machine et. D'ailleurs, je. Bah ouais, ça serait peut-être pas con, mais par contre, je ne sais pas comment faire pour dire comme quoi la dynmap est sur l'autre machine et tout le tralala. Bah normalement, ça devrait marcher. Il suffit juste de linker par FTP, les deux. En fait, par FTP, ça va envoyer sur l'autre machine, et en fait, tu vas avoir une master, et l'autre. Enfin, un serveur et un client, en fait. L'autre serve, il serait le client. Ouais. Ouais, faudrait que je me plonge un peu sur ça. Comme ça soulagera d'un côté, et puis de l'autre côté, elle servira juste à ça. Ouais, c'est ça. Et à DDoS. Ouais, à DDoS aussi. C'est pas mal. Du coup, rentrer chez soi, c'est bien beau. Voilà, enfin, retrouver. Hein. Deux coffres. Voilà. Alors, la forge est bien beau, ça je le garde. Ça. Ah, je croyais que j'avais fait une connerie encore. Je garde ça, les citrouilles aussi, je les garde. La forge, ben, j'irai m'en mettre une du coup. C'est plutôt cool ça. Les arbres à rubber, on va les planter. Merci mon petit shorty. Là, toujours pas plu. Il pleut pas trop, ouais. Ouais, cool. Par rapport à un moment. Le gros slim, on va se calmer. Par un moment, il pleuvait, puis là, il pleut plus. Et moi, je veux qu'il pleuve. Non, tu veux pas? Non? Bon. Voilà, du 4, non, je préfère du 5x5, moi, perso. On va se calmer. Voilà. Alors, du coup. Tac. Ouais, je vais faire la danse de la pluie. Ça pourrait être tellement marrant en plus. Bah, ça serait sûrement le premier ou le seul serveur où la pluie n'est pas un problème. Ouais, je sais pas si c'est à partir d'un mode que j'ai mis ça, que la pluie n'est pas non plus à H24, mais. Merci Anonymous pour ton tips. C'est bien parce que ça me l'affiche dans la barre d'état, comme quoi il y a un tips qui a été donné. Ça me le hurle pas dans les oreilles. C'est plutôt cool. Du coup, ça je vais le mettre là, ici les deux, ici un, voilà. Ouais, ça va, c'est symétrique. Voilà. Voilà. Voilà, au moins on a une petite. Forge qui tient nos problèmes et en plus on a de la lave quasiment en illimité donc on va être tranquille. Me faut du coup un petit flux duck quand même, c'est important. Voilà, on a notre petit tank de lave. Donc on va mettre notre tank ici. Ça, il faudrait que je prenne une wrench, mais j'ai pas de wrench. Si t'en veux une de base, j'en ai fait une pour mon personal safe. Ah oui, la. Bref, toujours. La basique, voilà. Après, c'est la meur, c'est 3 tin et un fer, je crois. C'est du bronze. Ah non, je te parlais pas de celle-là. Ah, tu parles de la celle qui se recharge, toi. Non, qui se recharge même pas, qui est infinie en fait. La Crescent Hammer. Ça, la 49-37, si tu préfères. Iron Tin. Tape dans. Ouais, pas sinon tu l'as. Ouais, j'ai regardé.
Mais ouais, du coup, moi j'ai fait l'autre. C'est vraiment juste pour le personal safe pour le moment, donc ça suffit. C'est pour le déplacer quand je vais déménager. Ouais. C'est pas faux. 1, 2, 3. Bah, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Mais j'aime beaucoup ta setup pour la lave, en tout cas. Elle est intéressante. Bah, c'est celle que j'utilise pour Agrarian quand je faisais mon setup de lave. T'implémentes au-dessus juste de l'Underio, et puis sur les côtés, tu extrais tout et tu envoies ça dans un tank. Puis YOLO, hein. Parce que les générateurs de ne sont pas aussi jolis que ceux d'autres modes, mais Ouais, lui, ça va tranquille. ouais. Hop. Parce que le lava générateur de extra utilities en fois 64, il pourrait donner avec cette setup. Ah bah c'est clair que là t'es tranquille hein. Personnellement t'es vachement tranquille. Bon, du coup il me faut ça et ça. Alors évidemment vu que Redix est à peu près tout maintenant, bah il va falloir que je me démerde. Donc ça là, ce que je veux du coup, ça fasse ça et ça. Voilà. Donc du coup ici des briques et des briques. Faut que je calcule. Ouais, c'est ça, c'est bon. Me faut du gravier, du sand et tout ce qui va avec. Donc, merci, la hammer. Voilà, ça marche super bien par contre. Alors c'est vachement lent pour la vitesse de la cobble. Bon, beaucoup plus rapide que celle en bois. Mais c'est assez lent. Voilà. Du 1500, je peux. Bah, ça varie entre 1500 et 2000 kilobytes, hein, donc ça équivaut à du 10 mégas, je crois, 10 ou 15. Ouais. Et merci Azael pour ton gros tips, live de qualité. Ouais, tellement. Je suis trop d'accord. Ah, c'est cool. Il y a des chips. Des tips, hein, pas des chips. Je suis content de ma connerie. comment on fait du Groot? Je sais plus. Il était fort le café épais, J'ai N'empêche que j'ai toujours pas bu. Ah, mais va être froid surtout alors. Hein. Ouais. Putain, il est encore chaud en plus, c'est vrai. Mais j'aime bien boire du café froid. Par rapport à du café chaud, je préfère le café froid perso. Rigole pas, hein. Moi très souvent je l'oublie et je le bois froid, mais ça m'embête pas parce que j'adore le café frappé. Donc du coup, Bah ouais. ça passe. Effectivement. Ah non, je viens pas à la TGS. Bah, c'est quand la TGS d'ailleurs? Parce que j'en sais rien en fait. À Google, hein. Ouais, et Google ça marche bien finalement. Oui. Non mais s'ils me prennent mon billet d'avion pour deux, je dis pas non. 28-29 novembre 2015, il y a Alexandre Astier. Hein? Oh putain, faut que je me fasse inviter, je veux y aller. J'ai pas compris moi, mais. Il y a Alexandre Astier là-bas, voilà ce qu'il a dit. D'accord, mais je connais pas. Mais si, tu connais Arthur de Camelot, c'est obligé. Ah lui, ouais, j'aime pas. T'as pas le droit. Ah bah si. Non, t'as pas le droit. Si si. Mais non. Bah si. Sinon, on me demande chocolatine ou pain au chocolat. Je n'en serais pas du tout. Va voir Redix pour ça, hein. Il va vite te répondre. D'ailleurs, là-dedans, j'ai pas une nugget, si. Personnellement, moi je ne prends ni pain au chocolat ni chocolatine. Je prends ce qu'on appelle des Suisses qui sont
Des croissants. Oh, qu'est-ce que c'est bon ça! Ça, c'est ultra bon, les Suisses. C'est long et très très fin, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ouais. Yeah, ouais, franchement, c'est vraiment très bon ça. C'est meilleur qu'un pain ou qu'un croissant. Ça, c'est ça. Et il faut savoir que les Suisses, c'est en fait dans la région, enfin les pays en gros, c'est toute la région Est. Ouais. Enfin, j'imagine que vers Nantes et tout, vous devez. Mais c'est vraiment délicieux. Les Suisses, c'est juste génial. C'est la petite spécialité de l'Est, hein, Ouais. avec le Riesling. Le Et risque. le pain. Prenez un petit café avec un schnapps, ça passe crème. Effectivement, ça passe crème. Comme il dit, ça passe crème. Voilà. Mon petit Arvox, si tu savais. Ouais, j'ai mis Tube Stuff. Tube Stuff, normalement, je l'ai mis. Tube Stuff. Ouais, je l'ai mis. Oui, j'ai vu dans la vidéo de comment de Dire Wolf qu'on peut s'amuser avec ça. Donc oui, je l'ai mis. C'est même très sympa. Et d'ailleurs, la prochaine mise à jour thermale où il y aura les transport types qui étaient présents dans l'épisode de Direwolf il y a un mois. Et donc, ça, et thermal, on va dire, ça reprend du poil de la bête et ça va être intéressant. Ah bah ça c'est bon. Ça c'est bien. Du genre, enfin, vous pouvez aller voir la vidéo de Direwolf et là. 4 semaines, et si vous vous rappelez de Futurama avec les transports de personnes, bah, ça va être la même en fait. Ah, on m'en a parlé, oui, de ça, effectivement. J'ai pas vu s'il y avait des vidéos ou quoi dessus encore, mais c'est Kiagan qui m'a parlé de Ça ça, peut je être crois. Kiagan ou Pendant Silex. sa visite sur KPTV, il en a parlé des transports des personnes que je lui ai même demandé, ils peuvent pas faire la même IRL. C'est de Tant l'heure. qu'à faire. Non, on peut pas mettre de source d'eau au-dessus du tank d'Agricraft pour le remplir. La preuve, ça le remplit pas. Faut vraiment qu'il pleuve, hein, disons. Mais tu peux pas insérer de l'eau avec des pipes de chez Thermal? Si, tu peux en fait te servir pour le remplir et faire ce qu'il faut, oui, tu peux. Mais non, moi je voudrais bien qu'il se remplisse naturellement d'eau, de flotte en fait. Tout seul. Non mais ouais, Ah, mais ça source pète. infinie. Pas con. Bah attends, je vais essayer. La source infinie, ça marche, je crois, parce que j'ai commencé à regarder aussi, je voudrais en faire un peu d'Agricraft. Normalement, ça fonctionne. Eh bah allons-y. Faisons ça. T'as que ça soit juste, hein. C'est pas juste, je le banne. Bah, soit c'est moi qui sais pas le faire, soit je sais pas le faire. On me dit qu'il faut une plus grande source. Oui, bah c'est ce que je pensais, donc du coup je vais encore augmenter la fameuse grosse source. T'arrêtes pour toi que ça marche, hein. Ça marche pas, je te tue. Donc il y en a qui disent de 4, il y en a que c'est qu'il faut le configurer dans Agricraft, donc je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ouais, bah, faudra peut-être le configurer, hein. Donc ça me dit aussi source en carré, donc je ne sais pas. Bah, la preuve, hein, j'ai vu une source. 2 x 2 si on voit. Donc oui, non, mais les gens, vous pouvez dire c'est pas comme chez Hypierre, c'est pas comme chez Alex, etc. C'est normal, c'est pas le même mode pack. Voilà. Puis on leur fait des hashtags gros bisous, ou pas. Bien que eux, je sais pas s'ils nous en feraient. Ouais. Voilà. Et boum dans leur fion. Oh, je peux le dire, hein.
Bah ouais, moi aussi je peux le dire. Ah, après tu vas reporter. Hein. Gros bisous. Hop, bon, comme ça marche pas, tant pis. Pas grave. Pas rien, je ferai ça. Oui, c'est pas mal aussi, tiens. Hop, je vais me faire de la clé plus tard. Non, ah, j'attendrai qu'il pleuve naturellement. C'est Bill, a eu une chance, hein, parce que le ta gueule épée, si j'avais été plus rapide, ça aurait été un stand ban. Hein. Ouais. Je confirme. Tiens, je vais je vais juste mettre 3 sauts dans le truc, voilà, comme ça. Oh, coco, hop. Je vais attendre qu'il pleuve vraiment, voilà. Imagine, t'as créé un serveur où il ne pleut pas. Bah si c'est le cas, putain, je suis heureux quoi. Parce que personnellement, j'en connais pas. Hop. Ah ! Trop putain. Il y a LED, j'espère que je prononce bien, qui te demande de faire l'item transparent de d'un mod. Quel item ? L'item quasi transparent, attends, j'ai pu trouver. De Tube Stuff, je ne sais pas de quoi il parle, et sinon il y a Carello, je sais pas comment on prononce, donc il faut aller dans le fichier d'Agri et c'est Fill Tank for Blowing Water égale trou. D'accord. Tu veux que je look dans les configs? Ouais. Je referai ce qu'il faut pour ça. Alors du coup, lui, il faut un contrôleur et l'autre, il faut un tank. Putain, j'ai pas assez de serre de briques. Fuck. Bon, bah, on va en refaire. Hein. Pas grave. T'inquiète pas, votre Letty, vous allez la retrouver plus tard. Pour l'instant, elle est à moi. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y en a qui te veulent, alors du coup, moi j'ai dit non, je te garde. Voilà. C'est sorti. Certes. Allez à moi, non. C'est mon copain de Kalino, épée. Oui. Hop. Je suis trop d'accord. Chocolat noir et thé vert, ouais. Moi j'aime bien. Hein. Personnellement, je dis pas non. Du coup, il me faudrait juste une glace pour terminer ça. Donc, il m'en faudrait 8 et 16. En fait, il m'en faudrait au total 16. 8 et 4, 14. Forcément, j'en aurais pas assez. Donc, hop. God, Letty, on dirait Enora quand elle parle. Je sais pas qui c'est, Enora, Ethans. Enora de D8, ouais. Ouais, Enora. Ouais, c'est pas faux. C'est qui, Enora? Oh, c'est une fille qui est super ultra sympa. D'accord. Elle fait quoi? Pourquoi je connais pas? Elle est... Merde, comment elle s'appelle? Comment ça s'appelle? Touche pas à mon poste. Ouais, touche pas à mon poste. Ah, c'est une émission à la télé, c'est normal. Je ne regarde pas la télé, messieurs, dames. Ah bah voilà. Mais en fait, il faut savoir que Enora, elle paraît très bon. Sauf qu'elle est adorable, IRL. Il faut savoir, elle est super sympa, elle est super adorable. Donc voilà. En tout cas, t'es encore sympa. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Bah voilà. Carello. Je sais pas comment on prononce. Très bien. Écris-le-moi en phonétique. Et je le prononcerai comme il faut. Phonétique. Carello. Voilà, Carello. C'est Carellol. Ah. C'était nul. C'était nul. Ouais, ça craque carrément. Hop. Du coup, bah, il me manque juste le petit tank à côté. Je pourrais faire qu'un étage. Je pourrais pas en faire deux. Voilà, comme ça, je me fais un hopper. Avec un autre coffre au-dessus. Pour le LOLs. Tac, pouf, et pouf.
Voilà, il m'en manque 1, 2, 3, 4. 4 fois 3, 12, donc ça fait 6. Ça fait 6 cobbles. Ça doit faire ça, hein. 6 cobbles, sachant que t'en fais 2 à chaque fois. Donc oui. Excuse-moi, j'ai rigolé, t'as Carello qui dit on m'a déjà sorti Yaka Lelo. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, hein. Ou alors, c'est comme sur le chez Shorty, en fait. T'as... Quand t'as envie de chier, tu prends un Evilax, et quand t'as envie de dormir, tu prends un Carpsolem, hein. C'est comme ça. Hein. Rajoute de viewer, et je peux le dire, oui. Parce que je suis aussi un viewer, donc... J'ai pas tout compris. Rien, les... C'est des pseudo-viewers dont il sert de médicaments pour rigoler. En D'accord. gros. Il Ok. dit qu'Evilax, ça ressemble à un laxatif et Carpsolem à un somnifère. Voilà. Et c'est deux viewers, en fait. D'accord. C'est pour ça que je comprenais rien en fait. Oh, Letty, elle est en train de bâiller. Non, c'est moi qui Oh. baille. Ah non, non, je baille pas, moi, ça va. C'est moi, comme d'hab. Par contre, je vais vous abandonner soon, d'ici 5 minutes, pour reboot l'ordi, qu'il soit pas au fond. Du gouffre. Voilà, c'est ça. Ouais, bah ok. Ok. Bon, bah, ça c'est cool, ça c'est bon, ça c'est bon. On va pouvoir faire enfin notre harvester. Pas trop tôt. J'attends juste que le sarrêt de bread se fasse. Ouais, l'humour vient de mourir tellement, surtout avec moi. C'est fou. Du coup, hop, ting. Donc ça c'est bon. Donc il me manque juste les deux là et du coup on va pouvoir faire ce qu'il faut. C'est cool, ça c'est cool, ça c'est mignon. Du coup, alors j'ai besoin de quoi? Putain, le copper, il y en a tellement que je vais le faire en auto. Avec une cloque. C'est fou le copper comme il y en a. Ça c'est du nickel. Oh lol. Je confirme, le Copper. copper, il y en a. Et c'est clair, il y en a tellement du copper, c'est fou. Puis en plus, t'en as tellement de différentes sortes en fait. T'as de Oui, Mecha, c'est clair. Project E, de Thermal, de Forestry, d'Industrial Craft et de Imagineering, truc bidule chouette. Ouais, quand je te disais que j'avais un diamond chest presque plein, c'était pas une blague en fait. Effectivement. Putain, c'est fou. Wouhou, c'est super beau. Coup, t'as des Project E quand même. Enfin, il est disable. Oui, il est disable, Project E. Ah, ça, sinon, c'est trop cheaté. Bah, en fait, même. Enfin, en fait, pour qu'il soit pas cheaté, pour qu'il soit vraiment utile, t'aurais dû le nerf. Ouais, mais comme j'avais pas envie de me faire chier à nerf. Voilà. Ah, parce que j'aurais tellement une usine à. D'accord, j'en ai même fait trop d'ailleurs en parlant de ça. J'aurais tellement des idées en fait de faire une usine à énergie, c'est fou. À EMC surtout. Ah oui, des jambes de humain. Ça, je vais le garder. Et surtout, sympa, c'est Blue Power. Oui. Il est bien joli, lui. Ah, il me faudrait deux gold pour faire le lingot de. Le lingot. Juste le lingot. Deux or, hein. Ouais, c'est ça. Deux or et un lingot de copper, parce que c'est pas comme s'il en manquait beaucoup. Hop. Ah, c'est bien, en plus, il garde en état comme quoi le gold y était fait. Donc en fait j'ai juste à faire ça. Ah bah non. Ouais, déjà fondu. Ok. Donc juste à faire ça et le faire couler et j'obtiendrai. Voilà. Bon casting. Du coup en dessous j'ai juste à
Oui, j'ai des items d'ug, donc je peux faire ce que je veux. Voilà. Alors, item d'ug, j'ai ça. Donc c'est cool. Je vais me refaire un chest. Je vais me faire une cloque. Bien sûr, la cloque là. Hein. Ok, c'est pas cher du tout, donc c'est bon. Shorty qui essaye déjà de raser un volcan. Alors, du coup, hop. Et il est en extract. Je le mets là pour qu'il puisse être en insert. Voilà. Je prends une petite cloque. Alors, la cloque, c'est une torche de redstone. Voilà, et 3 et 4 stones, voilà. Ah, c'est une cloque. Redstone cloque. Du coup, je t'ai faire ça. Et lui, en fait, il va y mettre une impulsion chaque seconde. Voilà, et du coup, il va faire couler tout le copper qui se trouve là, les 205 lingots, et est en train de se remplir encore de plus en plus. Oh putain, c'est fou. J'ai tellement de copper à faire couler. Y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Oh, c'est fou comme il y en a beaucoup. Allez, faites la cuisson. C'est fou, mais il y en a vraiment. Hop. Bon, bah c'est cool, on s'améliore. Plus tard, moi, de toute façon, je commencerai un petit peu ma baraque. Ah oui, l'harvester. Faut peut-être qu'on commence ça. Il me faut un peu de bois. Ok, très bien. C'est parfait. Du coup, l'harvester. Alors, il me faut du gold, il me faut du gold. Ouais, bah ça c'est bon. De l'invar j'en ai, du tin j'en ai, des shears j'en ai. Du plastique j'en ai pas, c'était ça que je voulais faire. Ok. Ah. Du bon rubber à l'ancienne. Mais de toute façon, aussi en avoir à 5000. Non, c'est du raw rubber. Ah, il faut Du raw plastique. du raw plastique, mais tu peux avoir ton silicone. Oui, le silicone, oui, je sais, avec le sagmine, mais non, là, il me faut vraiment le... Bah, je crois d'ailleurs. Bah, vérifie un coup, s'il te plaît. Ouais, t'as le rubber d'Industrial Craft. Oui. Mais il faut avoir la machine pour l'extraire. Mais c'est tout. Ouais. Non, parce que l'euro plastique, il me semble que tu peux l'avoir à partir du silicone de Send. Mais le Send dans la SAG 1000 et tu peux avoir l'icône, si je dis pas de conneries. D'accord. Bon, peut-être. Bon. Invar. D'ailleurs, c'est là-dedans l'Invar. Putain, je vais pas en avoir assez. Je ne vais pas en avoir assez. Oh messieurs, moi je vais vous abandonner. Je suis Ouais. allée reboot cette ordi de malheur là, Ouais. avant qu'il explose. Du coup, bonne fin de live. Je vais, de toute façon, je relancerai en fond Ouais. quand il aura reboot. Je viendrai regarder la fin quand même. Mais bon, bonne fin de live quand même d'avance. Des Des bisous. bisous partout, bisous. Bisous. Je vais sûrement passer chez toi après. Oui, non, je vais pas me coucher après. Ça marche. Des bisous. Bisous. D'ailleurs, je crois que j'ai fait un peu trop de Tin Gear. Pas grave.
Wes, en fait, il faut savoir que la seule modif des configs qui a été faite sur le serve, c'est pour ce que Wes a dit, donc c'est pour autoriser le remplissage des tanks à partir de sources d'eau. La seule config qui a été modifiée de celle originale par les mods, voilà, voilà. Ouais, je confirme. Donc juste pour préciser ça. Bon, allez, ciao. Ciao. Bon, bah en fait, je suis plus que tout seul, en fait. C'est bien 197 personnes pour la fin d'aller qui se fera dans un quart d'heure. Ça a été plutôt rapide aujourd'hui. Mais bon, je laisse ma petite Letty faire ce qu'il faut et j'irai un petit peu avec elle. Oui, de l'underpair la gogo. Hop. Tiens, un taga en train de se connecter. Hop, voilà. Du plastique shit. Oh, shit alors. Trollalol. Nous avons. Alors, pour l'Indvar, je crois que c'est du fer et du ferrous. Donc, ça, c'est vrai. Ça devrait pas être trop un problème. Donc, lui, il est en train de se faire. Du coup, qui se mettra là, là et là. Oh, bah, j'ai déjà du ferrous, hein. Donc, j'ai juste à rajouter du fer d'ailleurs. Je suis con. Hein. 5 et 5, 10. Hein. Non, 5 et, 5 et 10 pour en faire 3. Voilà. Ouais, va falloir que je regarde plus le chat. Mais non, mais moi je veux pas. Si, attends, je vais grossir le chat en fait. Pour avoir vraiment le chat à fond. Voilà. Et là, je le vois super bien. C'est un x200 sur l'écran, c'est fou. Moi, je suis sûr de voir du monde. Hein, de quoi? J'ai pas compris pour la même blague. J'ai pas compris pour ma blague. Peut-être que c'est moi qui comprends pas, hein, après. Bon, on a ça, du coup, il nous faudrait une deuxième hache. Hop. Pour le stuff, tube stuff. Block Breaker? Non, c'est pas celui-là. Liquide, liquide. Je vois pas lequel tu dis en fait. Franchement, je vois pas lequel tu dis. Dis-moi l'ID, donc c'est à partir de 2749, après tu calcules. Ouais, le Block Breaker. D'accord. Ah, le ferrous, je m'en tape. Du coup, c'était quoi déjà ce que je voulais faire, Harvester, hein, c'est ça. Heureux, heureux à ceux qui arrivent. Tu. Alors, monsieur le harvester. Ah ouais, c'était ça. Fallait que je fasse des gold gear. Donc, hop. Évidemment, j'ai plus de coal. Obsidienne. Putain, je vais en faire un paquet d'un coup. Tac, 45. Ah, comme ça, ça va me les générer. J'ai ça. J'ai ceci. Donc, il me faut du verre. J'en ai deux là, donc c'est parfait. Voilà, machine frame. Ouais, bah, super propriète, bisous. Plastique, ça c'est bon, ça c'est bon. En fait, il me manque juste les gold gear. Donc, j'attends que l'or se fasse. Et bah, c'est fait. Voilà, donc du coup, ça plus ça. Ça. Normalement, c'est ça plus ça. Plus ça. Plus ça.
Plus ça. Voilà. Et en plus, toute tête. C'est magnifique. C'est magnifique. Hop. Bon, bien sûr, hein, tout se fera après. Correctement. Avec un petit planteur en dessous, c'est plutôt bien. En plus, le bois là, ça fait du bois de jungle quand tu le fais. Et en même temps, ça te récupère du rubber. Donc, ça, c'est plutôt un bon point. Donc, item duck. Avec un coup d'énergie. Un item de l'énergie. Voilà, c'est parfait. Ouais, je sais, il y a trois trappes de craft. Hein. Il y a celle-ci, celle-là. Celle-là, non, c'est une tool station. Hein. C'est pour me faire un truc. Eh oui, il y a celle-là aussi. C'est pas fou. C'est pas fou. En fait, pour les crafts difficiles, je les fais là parce que du coup, je peux avoir un shift click hein, pour les avoir. Parce que dans la table ici, je peux pas le faire le. Je peux pas. Il n'y a pas de d'interrogation. C'est pour ça. Oui, je fais mon fanta. Bah, généralement, en UHC d'ailleurs, quand j'ai du bois, je me fais 46 tables de craft. Hein. C'est la même chose. D'ailleurs, ici, ça générait quoi du coup? Broken, silver, lead, osmium, alu, copper, tin, nickel, gold. Oh, ça va, c'est plutôt sympa. C'est plutôt tiens-patoche. Tout ça sur un axe, c'est cool. Alors là-bas, ça donne quoi au niveau des copper? Putain, il y en a tellement. Mika, je crois, non, Tinker. Putain, il y a encore 413 copper à couler. Lol. MDR. MDR. D'ailleurs, en parlant de ça, je devrais peut-être me refaire des items duck. Hop, 6. Voilà. Comme ça, je vais me foutre une claque. Ok, block breaker et block placer. Ok, très bien, c'est noté. Ah, ta gueule, toi. Voilà. Voilà. Alors, du coup. Permets-tu? J'ai envie de faire ce qu'il faut. J'ai envie de couler entièrement de blocs. Puisqu'il n'y en a pas assez, après, je pourrais passer au fluid duct juste à côté pour extraire comme ça. S'il y en aurait eu trop ici, en fait. Bien sûr que je connais les pierres. Un peu logique. Ouais, directement des copper blocks. Ça, c'est cool. Hop. Du coup, nous avons ceci. Donc, on faudrait faire une petite source d'énergie. Donc, moi, pour une source d'énergie qui pourrait être plus potable que des solars, moi, c'est des steam dynamo. Parce que, avec le bois qui génère, tu peux créer de l'énergie. Avec l'énergie, tu stockes et patati patata. Et comme du copper, j'en ai beaucoup trop, c'est raison de plus pour le faire couler. Ah, c'est pas con! Ah, c'est pas con, c'est pas con, c'est pas con. C'est pas con. Eh, franchement, vous avez des bonnes idées, les gens. Eh, c'est classe. Putain, vous avez des bonnes idées, mec. C'est cool, ça. Bah, comment Arvox a une très bonne idée. Non, il n'y a pas mariculture parce que mariculture était incompatible avec forestry. Je ne sais pas pourquoi, sans doute à cause des mods. Et il y avait un autre mode qui mettait en danger ceci. Mais non, non, ils sont incompatibles. Sinon, je l'aurais mis mariculture personnellement. Ce je l'aime bien. Personnellement, je le préfère largement. Mais bon, il fallait faire un choix au niveau des blocs. Coucou Lolo. Bah toi t'arrives un peu tard parce que j'arrête dans 8 minutes. Peu dommage. J'aurais bien continué, mais bon, je vais laisser la petite place à Letty. Quand même. Silver, d'ailleurs du silver je crois j'en ai. Copper, lol.
Tac. Du tin. Alors Braille a l'air d'une flûte, ouais, c'est ça. Mais je préfère largement quelque chose d'autre. Ah, comment la gendarmerie, ils s'en foutaient royalement pour le drone, au fait. Littéralement, ils s'en battaient les robignoles, en fait. Très clairement, hein, ils s'en battaient vraiment. Ils s'en foutent, hein. Moi, c'est bien. Genre, on peut faire des. Comment des trucs comme ça. Redstone, silver, me faut juste un silver de redstone, je crois. Alors, un silver. On va le faire passer comme ça. Je vais l'attendre, du coup. Oui. Après, vous avez Madame Letiby qui reprend la graine à partir de 23h. Donc, ceux qui veulent y aller iront, ceux qui veulent pas iront se coucher. Voilà. Et pour moi, la vidéo de présentation de. Comment. Pour le LTP commence sur YouTube demain. Normalement, si tout va bien. Si j'y pense. Normalement, oui. Hop. Voilà, Steam Dynamo. Voilà, j'ai fait ma première Steam. C'est trop cool. C'est magnifique. C'est magnifique. Une source d'eau au-dessus, Akeus. Voilà, je vais me faire ça tranquillement en off. Moi, je vous dis à plus pour Madame Letty. Hein? Soyez sage avec elle, naturellement. Hein? Et puis, bah voilà. Donc, 160 viewers, c'était cool. Il y a 2000 follow pour moi, c'est magnifique. C'est magnifique. Si, c'est la petite Letibi. J'aime bien. Elle est toute gentille en plus. Donc allez-y. Ouais, bah allez-y chez elle. Hein, donc voilà. Voilà. Je voulais faire quelque chose d'autre, mais je sais plus quoi. Sais faire un Akeus, tiens. Copper, cerveau. D'ailleurs, en parlant de cerveau, j'en ai un. Et j'en ai un aussi chez moi, hein. Hop. Donc, allez-y chez ma petite Letty. Voilà. Sur ce, bisous tout le monde et à la prochaine. Channel switched. Coucou, t'es toujours en stream? Ouais, j'ai vu qu'elle avait stream aussi.